Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre émission « À l'origine ». Nous sommes en ce moment dans ce qu'on appelle les fêtes de Tishri. Nous avons commencé ce cycle de fêtes par la fête de Rosh Hashanah, la nouvelle année, puis Kippour, le grand pardon, et Sukot, le retour à la nature. Pour finir ce joli cycle, nous allons fêter la fête de Simchat Torah, la joie. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Maria Chadret. Bonjour Maria ja. Bonjour Steve. Quelle est, pour commencer s'il vous plaît, la signification exacte de Simchat Torah Alors littéralement, Simchat Torah signifie la joie de la Torah. Quelle belle appellation pour terminer effectivement le cycle des fêtes de Tishri. Alors c'est certainement pour cela qu'il y a une journée si festive dans laquelle on danse, on chante, on va sortir les livres de Torah. Parce qu'effectivement nous clôturons ce jour-là, ces 22 jours successifs quasiment. De fête, des fêtes de tishri, c'était un temps de grande proximité, c'était un, un temps de pardon. Puis après le temps du pardon de Kippour, il y a eu Sukkot. Sukkot, dit le Harizal, c'est un moment où nous sommes si proches de Dieu que Dieu vient nous enlacer, pour ainsi dire. Les murs de la souka viennent nous enlacer. Euh, et donc après ce temps de proximité, avant de revenir au quotidien, eh bien arrive Simchat Torah, cette journée de joie, cette journée de fête, durant laquelle également. Nous terminons un cycle complet de lecture de la Torah, d'où l'appellation « Joie de la Torah ». Cette fête, pour autant, n'est pas citée dans la Bible. Quelle est son origine Alors, elle n'est pas citée effectivement sous l'appellation « Simchat Torah ». C'est une appellation relativement récente, environ 1000 ans. Mais elle est citée sous le nom de « Shemini » Chez Shemini Atseret veut dire le huitième jour de clôture. Atseret, c'est la clôture. Oui, bien sûr, puisque nous clôturons les fêtes de Tishri, mais c'est la journée de Simrat Torah. Alors, euh, c'est plus récent qu'il a été décidé de terminer la lecture d'un rouleau de Torah. En un an. Il y a eu des périodes où le, le rouleau de Torah se terminait en trois ans. Et puis, l'habitude s'est imposée parce qu'effectivement, finir, euh, finir ce cycle de lecture euh, s'est imposé, imposé comme étant l'expression de la joie ultime après tout ce temps de proximité, de Roche Hachana, de Kippour et de Soukot, bien entendu. C'est pour ça, peut-être, que l'on reçoit la Torah au moment de la fête de Shavuot et que. Euh on ne le fait qu'à Torah Alors effectivement, c'est à Simhra Torah qu'on va danser avec la Torah. Shavuot, c'est une fête, euh, en effet, mais c'est une fête d'ailleurs qui est proche, euh, en tout cas dans son appellation de Simratora, parce qu'elle s'appelle aussi Atzeret, la fête de la clôture. Mais la joie, la danse, la, 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 les, les chants euh, qui vont être faits seront faits au moment de Simratora. Alors pour comprendre cette différence, il faut faire peut-être un petit rappel chronologique important. Il y a eu la sortie d'Égypte depuis sept semaines jusqu'au don de la Torah. Le peuple d'Israël se trouve au pied du Sinaï et Moïse euh, va s'apprêter à descendre dans 40 jours avec l'étape de la loi. Le jour de Shavuot, c'est le jour où nous entendons les dix commandements, où les dix commandements sont acceptés par le peuple d'Israël. Mais quarante jours après, quand Moïse descend du Sinaï, avec les tables en pierre de la loi eh bien il découvre nous le savons l'inimaginable, le veau d'or a été érigé et le peuple d'israël s'adonne déjà à l'idolâtrie et alors moïse va avoir cette réaction incroyable de briser les tables de la loi ce lien devient obsolète tout d'un coup et alors que le peuple d'israël supplie pour un pardon divin eh bien moïse remonte sur le Sinaï. Il va remonter deux fois quarante jours pour obtenir, pour tenter d'obtenir de Dieu le pardon pour Israël. Et c'est alors que le jour de Kippour précisément, Moïse va redescendre avec les deuxièmes tables de la loi. Le jour de Kippour c'est donc le deuxième don de la Torah. Mais une autre Torah. La Torah que nous allons fêter. Parce que la Torah, de Shavuot, la Torah du jour du don de la Torah, c'est une Torah, je dirais, idéalisée. C'est ter... la Torah de l'homme idéal, de l'homme qui ne faudrait pas, de l'homme aussi qui est au pied du Sinaï et qui a une sorte de don du haut vers le bas qui s'impose à lui. Alors que, après être tombé et s'être relevé, après avoir accepté sa fragilité, après avoir accepté que l'homme est faillible, eh bien voilà que Dieu donne une autre Torah la torah qui envisage cette fragilité de l'homme la torah qui envisage le pardon la torah qui envisage qu'il y ait des erreurs qui soient faites mais qu'elles peuvent toutes être pardonnées que nous ne sommes pas condamnés par notre histoire ou par notre petitesse et voilà que le jour de kippour moïse redescend avec les deuxièmes tables de la loi ces tables là elles représentent la torah avec laquelle nous avons vécu pendant une année entière pendant laquelle certainement nous sommes tombés, certainement nous avons fait des erreurs, nous avons peut-être fait de la peine aux uns aux autres, mais nous venons de vivre qui pour. Et puis nous venons de vivre sous code ce temps de la proximité. Et alors maintenant, maintenant on est peut-être à même de fêter la Torah. Maintenant on a compris que la Torah peut nous apporter eh bien, euh, la découverte de tout. Le monde des possibles à l'intérieur de nous, le monde d'un potentiel qui s'ouvre à nous. Et c'est cette, cette Torah là avec laquelle on danse le jour de Simchat Torah. Comment fait on cette fête de Simchat Torah Alors on la fête en sortant d'abord tous les livres de Torah. On la fête un peu comme un mariage. C'est un petit peu une journée, oui, de mariage. D'ailleurs, il y a beaucoup de symboliques du mariage qui reviennent parce que on va tourner autour de la bimah avec les cifres Torah. Tous les livres de Torah sont dehors et les fidèles vont danser, alors ils vont danser en ronde, ils vont danser en ronde, et d'ailleurs ça m'évoque ce que vous venez de dire sur le fait que la Torah est si proche de l'homme, parce que danser en ronde en hébreu ça s'appelle machol, un machol c'est une ronde, et c'est une ronde où on est les uns à côté des autres, il y va y avoir également les livres de Torah, et puis nous allons nous mouvoir, nous allons tenter de nous harmoniser, et le mot machol, vous l'aurez entendu, nous rappelle le mot mechila le pardon. C'est-à-dire que quand l'on danse les uns avec les autres, eh bien, on ne peut pas prendre tout l'espace. Il faut laisser de la place à ceux qui sont à droite, à ceux qui sont à gauche, et puis il faut peut-être aussi adapter son pas au rythme de ceux qui sont autour de nous. Et de cette façon, c'est vrai que notre le cercle... Des personnes qui euh, occupent notre vie, eh bien, doit lui aussi être capable de pouvoir intégrer et inclure, harmoniser les pas des uns et des autres. Et c'est de cette façon qu'on va danser la Torah. Je vous dis un petit peu aussi comme un mariage, parce qu'il y a une autre symbolique extraordinaire ce jour-là. On va sortir euh, un immense châle de prière et on va faire une sorte de roupa de dénuptial, au-dessus des enfants. C'est la jeune génération qui arrive sous ce dénuptial. Alors tout le monde va lancer des bonbons, on va chanter et on va lire un verset que disait Jacob juste avant de mourir à ses petits-fils Ephraïm et Ménaché qui ont su, eux, dans la fratrie trouver leur place. Et on va souhaiter à nos, à nos enfants, à la nouvelle génération, à ceux qui, demain, réinterpréteront encore et encore le texte de Torah, on va leur souhaiter d'être à la hauteur de cette Torah et de comprendre au combien elle apporte. Un monde de possibles grâce à l'étude de la Torah. Comme on disait tout à l'heure, Simcha Torah euh, clôture ce, euh, ce cycle des fêtes de ticherie. On a donc Rosh Hashanah pour la nouvelle année, la renaissance. Mm -hmm. On a Kippour pour le pardon. On a Sukkot pour le retour à la nature et à la précarité. Et on a Simcha Torah. Est-ce que Simcha Torah pour vous est. Et comme un, un retour au monde, une fois qu'on a pu euh, pendant autant de jours se, se sentir euh, dans des notions et se sentir dans des dans des phases euh, et des fêtes si différentes les unes des autres. Oui, effectivement, c'est on va reprendre le cycle naturel, on va reprendre euh, nos activités quotidiennes, mais juste avant cela, le jour de Simrat Torah, on va aussi faire une prière. On va faire la prière pour la pluie. On va faire la prière pour que le sol soit irrigué à nouveau. Alors, tout à l'heure, on disait que si Shavuot, c'était un mouvement du haut vers le bas où la Torah s'impose à nous, nous sommes maintenant dans un mouvement du bas vers le haut où la tour, où la, la terre demande à être irriguée. Et en réalité, nous demandons, Gechem, la pluie. En hébreu, c'est le même mot que la matérialité. C'est-à-dire que qu'on demande à retrouver notre vie du quotidien, ce que vous disiez, le, la vie matérielle mais peut-être avec un peu plus de sens, un peu plus de profondeur, plus de perspicacité, grâce au fait que nous avons vécu. J'ai l'impression que vous l'adorez, cette fête. Effectivement, <laughs> effectivement pour étudier, euh, étudier moi-même la Torah, en fait, on peut dire que le, le, le lien entre, parce qu'il y a forcément un lien entre le fait que nous euh, finissons la lecture de la Torah et que nous prions ce jour-là aussi pour la pluie, ben, le parallèle est, je crois, assez simple. De la même façon que la terre demande à être irriguée, pour que sortent les pousses merveilleuses qui sont enfouies en elles, eh bien nous demandons à Dieu d'être nous aussi pénétrés par les paroles de la Torah, par cette interprétation encore et encore, par cette lecture qui va recommencer, pour que sortent de nous également les merveilleuses graines et le monde du potentiel qui se trouve en nous, en réalité. Athènes, non-croyants, traditionalistes, religieux, avec les années qui passent, on a. Comme des points de repère qui sont ces fêtes. Pour moi, personnellement, elles sont de plus en plus importantes et de plus en plus essentielles. Euh, Torah, c'est la fête de la joie. Il y a Rabbi Narman, que j'aime beaucoup, parce qu'il a des préceptes comme le courage, la joie, des choses qui sont très humaines, comme même l'idbo des doutes, qui est l'idée de faire une prière collée contre un arbre et de dire les mots les plus simples, comme si on se parlait à soi-même ou on parlait à Dieu. Cette joie-là, vous la voyez comment, vous, à travers la fête de Simchat Torah Alors, effectivement, ce terme de Simchat euh, que reprend beaucoup Rabbi Nachman de Breslav, mais qui est, qui est en réalité transversal à la Torah, euh, bien la Simchat, la joie, on le sait, elle ne se commande pas. On ne peut pas appuyer sur le bouton de la joie. Alors, il faut comprendre, je crois, dans le terme Simchat Torah, que la Simchat, la joie, est intrinsèque à la Torah. C'est-à-dire que si on laisse la Torah faire. Ce qu'elle a à faire en nous. C'est-à-dire que si on accepte de se laisser pénétrer par cette parole-là, qui nous dépasse, cette euh, parole métaphysique, et euh, eh bien, transcendante, on va alors pouvoir nous-mêmes aller dans les tréfonds de notre intériorité et trouver la ressource qui va peut-être déclencher l'élément joie. La joie, je crois que c'est une émotion extrêmement spirituelle. C'est l'émotion qui provient euh, du sentiment. Euh, d'avoir fait un effort et que cet effort a abouti à quelque chose c'est le fait d'être euh, d'avoir œuvré, d'avoir essayé d'avoir tenté encore, d'être tombé de s'être relevé et bien c'est pas grave si on n'est pas arrivé au maximum on n'y arrive jamais, mais on a tenté et on est là, et donc la joie va s'imposer je crois de l'intérieur de la Torah alors je voudrais dire à ces personnes prenez le rôle de Torah allez-y, faites ses pas tentez d'harmoniser vos pas avec ceux de la communauté, et vivez un instant qui n'est un instant qu'à vous, que pour vous. C'est bien ce que vous dites, parce qu'on a souvent tendance à mettre un petit peu de côté Simchat Torah, c'est-à-dire que dans toutes les familles, on sait ce que c'est Kippour, on sait ce que c'est Rosh Hashanah, on sait ce que c'est Soukhot, euh, mais Simchat Torah, c'est euh, une fête où, on, où, où souvent certains traditionnalistes peuvent passer à côté. Et pour autant, c'est le recommencement de la lecture de la Torah depuis des millénaires relire la torah recommencer tout de suite la torah c'est un petit peu comme une personne qui est chercheur au cnrs il n'a jamais terminé de chercher ce texte de torah va venir va me fertiliser va me transformer et je crois qu'il n'y a pas d'éléments plus jouissifs que de savoir qu'un qu monde des possibles s'ouvre devant moi que je peux que je ne suis pas condamné moralement je parle bien sûr et puis qu'il qu y a un devenir, qu'il y a une promesse en fait. C'est cette promesse-là qu'il faut savoir saisir ce jour-là. Merci. Merci Maria Chadret de nous avoir éclairé avec autant de passion, avec autant d'enthousiasme sur cette fête Kessim Pratora. J'espère que cela vous donnera envie de la faire, cette fête, d'être joyeux, de faire le tour de soi, de se sentir encerclé par quelque chose de divin qui fait que tout d'un coup on a le sentiment de recommencer encore mieux et encore mieux, et qui fait qu'on trouve le chemin qu'on a à faire pour être soi de plus en plus beau. Je vous remercie de nous avoir suivis, je vous souhaite un bon dimanche à toutes et à tous, prenez soin de vous, passez une bonne semaine, et à bientôt pour découvrir ensemble de nouveaux horizons.